j'en ai parlé à Stéphie tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle allait revoir son comportement, t'inquiète. Paille, je t'ai pas raconté. Est-ce que tu te souviens de la fille avec qui je travaille qui est hyper désagréable avec moi? Oui, je sais très bien. Dès que je suis arrivée dans la troupe, elle a fait une attitude bizarre avec moi. Tu sais pas ce qu'elle a fait la dernière fois? Elle s'est mise de mèche avec l'ingé son pour pouvoir couper mon micro en plein solo. C'est-à-dire que je me suis retrouvée devant les gens. J'étais ridicule, j'avais plus de son. Enfin, je... Franchement, l'attitude mesquine de certaines personnes me dépasse. J'avais envie de lui arracher les cheveux et je sais que c'est elle. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est quelle attitude je dois avoir en fait? Je comprends pas des gens comme ça. Après, moi, je te comprends. Mais tu sais, des fois, il faut faire des choses contraires à ce que tes pensées te pousseront à faire. C'est que tu prennes une personne avec toi, une personne témoin, ouais, et que tu ailles voir cette fille en question pour lui demander pardon. Pour libérer son cœur et surtout libérer le tien. C'est compliqué d'entendre ça. L'idée n'est pas de faire ce que tu ressens, mais de faire ce qui est contraire pour que les choses soient justes, ok? D'accord. Et je sais que tu peux le faire. Ok, bye. Ok, allez, bisous. Bisous.